Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Donc vous aurez la vidéo vous après. Hein. Voilà. Nous sommes jeudi, je sais même plus quel jour. 18. Voilà, c'est mon jour de repos. Donc j'avais décidé d'aller acheter des affaires scolaires. Le peu qui me restait. Donc je vais vous les mettre tout de suite et puis après il y a du stock avec. Donc là j'ai refait un petit réassort de mon stock. Mais je pense que là on devrait être bien. Après, il y aura le surgelé, mais le surgelé, je ne vais pas le faire tout de suite, hein, tout simplement parce qu'il fait beau, on mange plus des fruits de saison, on va dire, enfin des légumes de saison. Donc, dans l'immédiat, voilà, je ne vais pas y aller tout de suite là maintenant. Donc, je vais déjà vous montrer ce que j'ai pris de grand sec. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il est tard. Il est tard, il est 19h10, hein, mais il fait un petit peu. Ben, il a fait très beau aujourd'hui, hein, j'ai un peu chaud, mais ça y a un petit peu d'ombre. Alors, bon. Ça devrait aller quand même. Tant qu'on me voit et qu'on m'entend, c'est le principal. J'espère d'ailleurs que le micro fonctionne. Oui. Donc là, j'ai fait des calculs d'apothicaire. Hein. J'ai sorti mes petits feuilles de papier parce qu'il y a trois. Donc il y a. Non, il y a deux enseignes, mais il y a pour trois choses. Donc il y a le stock, mon stock. Et il y a le scolaire. Voilà. Donc il n'y a pas trois choses. Il y a le scolaire et le stock. Mais par contre, il y a deux enseignes. Il y a Carrefour et Lidl. Donc voilà, donc je vais commencer par le scolaire parce que vraiment j'ai pas grand chose. Donc je suis très contente hein, parce que du coup ça va me faire une sacrée économie. En scolaire, j'en ai eu en tout pour 13,50 € et en plus j'ai cagnotté 2,49 € sur deux produits. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Par contre, j'ai pas marqué les prix sur les trucs. Donc comme c'est pour l'école, je ne peux pas trop marquer dessus quand même. Hein. Alors je vais vous dire ça vite fait, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc j'ai repris une paire de ciseaux comme ceci. Bon, il y en a déjà une paire, hein, mais ça c'est le genre de truc qui perdent. Donc j'en ai repris une paire en cas où, que j'ai pas besoin de courir en cours d'année chercher un ciseau. Donc le ciseau, 1,79 €. De toute façon, je vous mettrai les prix en bas. Ensuite, j'ai pris du scotch. Alors vous avez dû en voir que j'en avais beaucoup, mais j'ai pas le dérouleur. Donc en fait, j'ai pris un. Parce que moi, je peux me débrouiller sans dérouleur, mais bon, à l'école, voilà. Donc j'en ai pris un avec le dérouleur, comme ça je pourrais mettre après mes recharges à l'intérieur. Voilà, donc j'ai pris un comme ça. Donc le scotch, 1,39 €. Non, j'en ai pris qu'un, hein, parce que j'ai plein de rouleaux tout seul. Alors ensuite, j'ai pris deux compas. Donc là, pourquoi deux, vous allez me dire? Bah, parce que c'est le même problème. Il a toujours un, je ne sais pas ce qu'il en fait. Donc j'ai pris les deux mêmes. Alors, ils veulent des compas avec des crayons, c'est obligatoire. Hein. Donc, j'ai pris celui-là. Bon, j'ai pris les deux mêmes, hein. Je ne sais pas casser la tête. En espérant qu'il ne va pas me les perdre. Alors, le compas, c'est 2,19 € un seul. Ensuite, il fallait un bloc-notes. Alors, comme il n'y avait pas marqué la taille ni quoi que ce soit, j'en ai un à la maison, mais c'est une petite taille. Je crois que ça doit être un 21, quelque chose. Enfin, c'est pas très grand. Non, ça doit être le contraire, il est plus petit que ça encore. Donc du coup, dans le doute, comme j'ai demandé à Yann, et puis Yann n'a pas su me dire parce que c'est la première fois qu'il s'en sert, du coup j'en ai pris un gros comme ça. Alors là, j'étais à Carrefour hein, parce que j'ai vu la marque Roda. L'autre, c'est un Roda que j'ai. Mais c'est 8 euros le bloc-notes. Hein. Donc du coup, j'ai pris le Carrefour tout basique. Bon, c'est des petits carreaux. Bon, je ne sais pas, parce qu'il n'y avait que des petits carreaux. Hein. Alors, comme c'est la première, ben, on verra bien. De toute façon, je me dis que même ça, si vraiment il n'y en a pas besoin, ça sert toujours un bloc-notes. Moi, je sais que je m'en servirai, au pire, je m'en servirai. Ou peut-être l'année prochaine, ou je ne sais quoi. Là, je ne savais pas trop, c'est pas bien précisé sur le. Il y a juste marqué bloc-notes. Alors, bloc-notes, c'est vaste. Hein. Donc, ça, le bloc-notes, c'était. C'est qu'il est. Alors. Alors, le bloc-notes, c'était à 2,39 €. Ouais, c'est mieux que 8 euros quand même. Donc voilà, et c'est là où j'ai eu des points. Du coup, j'ai repris des feutres et des crayons de couleur Highland. Parce que comme je l'ai dit, j'ai une grande boîte, mais elle est grande. Eux, ils se servent. Oh, j'ai oublié la peinture, quelle cruche. Oh, mais quelle cruche. Pourtant, je l'ai marqué sur ma liste, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, tant pis. Hein. Je serais bonne pour y retourner. Oh! Mais bref, tant pis. Donc, quand même avec une liste. Voilà. Bon, bref. J'ai pris donc des bics comme ceci. C'est des crayons de couleur. Donc, c'est la petite pochette. Et j'ai pris la même pochette en feutre, comme ceci. Donc, là, vous aviez quelque chose de remisé sur votre carte.
Donc les feutres, c'était 1,95 €, mais on vous remboursait 1,37 € sur votre carte. Et les crayons de couleur, c'était 1,60 € et on vous remboursait 1,12 €. Autant dire que c'est presque gratos, quoi. Parce que du coup, on m'a remboursé sur ma carte 2,49 €. Ça va prendre, il faudra que j'y retourne pour la peinture. Donc voilà. Ah, j'étais contente de moi, ben voilà. Bon, c'est pas fort grave. De toute façon, la peinture, en général, on en trouve toute l'année. Mais bon, je préfère aller la chercher maintenant. J'irai à l'occasion. Donc voilà pour la rentrée scolaire. Donc la rentrée scolaire m'a coûté en tout pour tout 13,50 € avec un cagnottage de 2,49 €. Donc là, je suis plutôt contente. Bon, sauf la peinture, forcément. Donc, ça va me coûter un petit peu plus. Mais bon, je verrai ça. Je ne vais pas y retourner spécialement pour ça. Donc là, maintenant, je vais passer à Lidl parce que j'ai trois choses. Lidl, j'ai trois choses, c'est ça. J'en ai eu pour 12,22 € à Lidl. Je vais prendre un petit ticket parce que c'est compliqué. Alors, attendez, je vais faire ça comme ça. Voilà, c'est toute une histoire, hein, le ticket et tout là. Voilà, c'est là. Hop. Donc, les tickets, c'est ça. Donc, à Lidl, j'ai pris deux paquets comme ça. Donc, il n'en mange pas souvent, mais c'est vrai qu'on a des vacances. Je ne fais pas de granola, c'est comme il n'est pas tout le temps là. Donc, là, il y avait une promo. Si vous preniez les deux, les choco, je sais pas quoi, là, choco shell, Nutri-Score B. Bon, on sait bien que c'est comme plein. Bon, c'est pas super. Hein. Bon, il y a beaucoup de sucre là-bas. Bon, voilà, j'en ai pris un comme ça. C'est des gros contenants de 750 grammes. Donc, autant vous dire qu'il y en a un moment, il y a pris un moment. Et j'ai pris les deux, parce qu'il fallait prendre les deux pour que la promo fonctionne. Donc, j'ai pris les deux. Donc, ça, alors, si vous en preniez un seul, c'était 3,19 €. Et après, il y avait un remboursement de 1,94 €. Donc, les deux, j'étais payé 4,44 €. Bon, après, j'ai pris des trucs terribles. Hein, j'en ai pris deux. Donc voilà, ça c'est comme d'habitude, hein, y en a un pour moi et un que j'aimerais à mes petits-enfants quand j'irai chez eux ou quand ils viendront. C'est ce que je vous disais autrefois. Ça c'est un truc que je fais quand j'ai une promo, tout le temps j'en prends en plus pour leur offrir. Voilà. Parce qu'eux, ils adorent l'unité là. Alors, et c'est des pots de. C'est des gros pots. Hein. Attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est marqué. 800 grammes. Bah avec ça, on va pas faire sauter les crêpes. Alors, les pots de Nutella, c'était normalement 5,19 € un seul. Donc, ça faisait 10,38 €. Et après, on déduisait 2,60 €. Donc, ça fait les deux pots à 7,78 €. Donc, ça fait une. Bon, pour la cochonnerie, ça fait une belle ristourne. Voilà. Bon, on va passer aux choses un peu plus sérieuses maintenant. Alors, non, pas forcément plus sérieuse. J'ai pris deux paquets de trucs de foie comme ça. Vous savez, j'aime bien ce petit machin-là, ce petit pâté. Donc, ça se promet dans mon stock. Hein. Donc, 1,39 €, ça vient de Carrefour. C'est la marque Saint-Prix. Ça, j'aime bien en avoir. Donc, j'en ai pris. Dans le stock, toujours. De toute façon, il n'y a que du stock. Tout ce que je vais vous montrer, c'est que du stock. Donc, j'ai repris du cacao 100% comme ça en poudre. Alors, il m'en reste encore un petit peu, mais j'ai attaqué la boîte. Donc, bon, là, pour faire les gâteaux, ce genre de choses. Donc, sans sucre ajouté, tout ça. Donc, ceci. Je ne vous ai pas dit le prix. 1,79 €. Ensuite, j'ai pris des pains grillés comme ceci. Je vais mettre dans ma réserve aussi. J'ai encore des biscottes, mais bon, ça, comme je vous ai dit, j'aime bien là-bas. Puis, il y a un moment que je n'ai pas pris. Alors, en général, je prends la marque Pelletier. Et je me suis dit que j'allais les essayer parce que très souvent, il n'y en a jamais des comme ça. Donc, pour une fois qu'il y en avait, la marque Carrefour, je vais les goûter. 1,99 €. Au blé complet, il y a 2 x 12 biscottes. Dans la réserve, toujours. De toute façon, tout est réserve. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Là, j'ai pris des quenelles comme ça de saumon. Ça, c'est pour moi. Voilà, des fois, quand je suis toute seule, eh ben, c'est vrai que c'est pratique. Alors, moi, ça me fait 2 fois. Je peux manger 3 petites quenelles à peu près. Donc, oui, ça me fait moins de repas. Mais là, j'ai pris au saumon. J'aime bien. Donc, j'ai pris une boîte comme ça à 2 euros, je sais plus. 2,29 €. Oui, c'est ça. 2,29 €. La boîte de 400 grammes. Donc, voilà.
Ensuite, j'ai pris de la compote. Donc là, c'est pareil, j'ai pris deux contenants. Donc je prends là, comme d'habitude, hein, j'ai pris la marque Simpli, celle-ci là. Compote de pommes, sans sucre ajouté. 30% de sucre en moins qu'une compote normale. Hein, ça. Donc j'en ai pris deux. Et c'est 85 centimes le bocal là, de 720 grammes. Ça, j'en ai encore une dans la réserve et j'en ai une dans le frigo. J'aime bien de temps en temps. Là, j'ai pas encore ouverte, mais quand ça me prend, je peux. Voilà. J'aime bien l'avoir au frais. Ensuite, j'ai pris ceci, arôme vanille. C'est pour mes gâteaux, mes desserts. Enfin, j'aime bien l'avoir. J'ai presque mon pot, je crois même qu'il est vide d'ailleurs. Ouais, il me reste un tout petit fond, rien du tout. Donc, ça, pareil, ça va être pour la réserve. Donc, 3 euros. C'est moi qui écris, j'arrive même pas à me relire. 3,35 euros. Comme ça. Ensuite, j'ai pris un café comme ceci, grand-mère. Donc, ça, c'est pour mes enfants quand elles viennent. Parce que, bah, elles boivent du café à cafetière. Ou des amis, ou peu importe qui. À 2,35 €. Donc, ça, j'en prends qu'un, parce que franchement, ça me fait longtemps. J'en ai encore un peu, donc, dans le frigo, j'ai pas fini encore le paquet. Mais, voilà. Comme ça, j'en ai un d'avance pour tout cet hiver. Voilà. Comme ça. À 2,35 € les 250 grammes. Avant, je prenais les paquets par quatre, mais parce qu'avant, je buvais du café comme ça. Maintenant, bon, j'en prends qu'un parce que, voilà, ça sert à rien non plus. On n'en consomme pas. Là, j'en consomme pas. Donc, ensuite, j'ai pris de la farine. Là, j'ai pris 3 kilos. Donc, la farine comme ceci, T55, si je ne me trompe pas. Oui, type 55. Donc, comme ça, j'en ai pris 3. Voilà. Donc comme ça sera fait aussi. Et ça, c'est 71 centimes le kilo. On va bien. Ensuite, on va dégainer les lentilles rouges. Ah, les lentilles rouges. Pas du tout. C'est des bêtises. Ouais. Comme quoi, je suis traumatisée, quoi. Pardon, les haricots rouges. S'il me reste un peu dans un bocal, mais je n'en aurai pas assez pour tout l'hiver. Donc, c'est ça, c'est pareil, je les prépare tout d'un coup. Quand je vais les faire, je vais tout faire cuire en une seule fois. Comme ça, après, je les surgèle et je suis tranquille pour tout l'hiver. Ah, donc là, par contre, je les ai pris au rayon portugais. Parce que figurez-vous qu'ils sont moins chers. Alors, quand vous les prenez au rayon oriental, ils sont à 3,49 €. Et là, je l'ai eu les 1 kilo à 2,99 €. J'ai dû marquer quelque part. Oui, c'est ça. 2,99 € le kilo. Bon, c'est des haricots rouges, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est des fois, ça peut être intéressant d'aller. On va d'aller voir dans les autres rayons. Hein. Non. Portugal. Voilà, c'est cette marque-là. Moi, je connais pas. J'aime bien le portugais, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, j'ai pris ceci en voyage chez moi. Hein. Là, ça vient du rayon en créole. Alors, ça, c'est pareil, c'est de la cannelle. Alors, la cannelle, si vous la prenez dans le rayon, justement. Créole, enfin, des Antilles, des îles, vous le payez presque deux fois moins cher. Parce que là, j'ai quand même 50 grammes de cannelle, hein, ce qui c'est pas donné, les bâtons de cannelle en général. Et là, j'ai eu 1,95 €. Bon, ça, c'est pareil, vous le gardez longtemps. Hein. Moi, je vais les mettre dans un petit bocal, et puis voilà. Donc, pour vos gâteaux, vos plats un peu sucrés. Voilà. Donc voici pour ça j'en avais plus non plus. Et là j'ai pris quelque chose qui n'était pas forcément dans, mais je l'ai pris juste pour la bouteille. Ce sera pour mettre mon sirop de menthe. Donc en fait j'ai pris une limonade comme ceci artisanale, un lion artisanal à l'arôme naturel, de citron. Bon je suppose que citron, hein, servir frais. Ouais. Enfin, bon. Moi je l'ai pris pour la bouteille. Voilà, c'est comme ça, je pourrais mettre mon citron maison à l'intérieur. Voilà. Donc on va la boire quand même, hein, mais bon, je vais la mettre au frais. Et puis, on n'a toujours pas bu celle que j'avais achetée déjà, la boisson portugaise que j'avais achetée là, je ne me souviens plus. Elle est encore dans le frigo. Mais bon, on va s'en servir. Voilà. Donc voilà pour ça. Et c'est tout. Ce qui est déjà fort bien. Donc en tout et pour tout. Pour Carrefour et Lidl, j'en ai eu pour 37,69 €. Donc, il va sortir de ma cagnotte promo ou stock. Hein. Et puis, bah, le scolaire dans l'enveloppe scolaire. Donc, voilà pour ces courses. Donc, écoutez, moi, je vais vous souhaiter donc une très bonne soirée. Et puis, on se retrouve donc de toute façon très très bientôt. Prenez bien soin de vous et profitez bien de ce beau soleil. Ciao!
Thank you.